Salut tout le monde, c'est YesGamer54, on se retrouve pour la suite de cette aventure sur Resident Evil 3 Remake. J'espère que vous allez bien. Alors je sais plus combien d'épisodes je... C'est que... Voilà, je vis une période un peu difficile en ce moment. Ça va faire... Alors que je tourne la vidéo, ça va faire 2-3 jours que... Voilà, que je vis une période un peu difficile. Je suis pas prêt de vous en parler pour le moment, je pense que je vous en parlerai... Quand je serai prêt, je sais pas quand vous verrez cet épisode. Ça se trouve, vous verrez ça au bout de juillet, août ou même septembre. Je sais pas du tout quand vous verrez cet épisode, mais en tout cas, sachez que voilà, c'est une période difficile pour moi. À l'heure que je tourne, on est le 9 mai, le 9 mai 2020, il est quasiment 11 h, et du coup, je vis vraiment une période difficile parce qu'on a j'ai perdu quelqu'un de très cher qui faisait partie de ma famille. Du coup voilà, je c'est un peu difficile à vivre. Voilà, c'est pour ça que je voulais me changer un peu les idées, de refaire la suite de ce let's play et puis tout ça, pour me changer un peu vraiment des idées. Et du coup voilà, ça va mettre du temps pour recommencer comme avant. Ça veut dire j'ai même pas de morale, j'ai plus de morale pour jouer à la console. Ça va faire ouais, ça va faire une semaine quasiment que j'ai pu rejouer à la console. Du coup c'est un peu plus compliqué, c'est un peu vraiment compliqué, et puis voilà quoi. Et ah, c'est compliqué, mais bon, bref. Il faut se dire que la vie continue. Et ouais, j'espère qu'elle est bien où elle est en ce moment. Et puis voilà. Du coup, on était à l'hôpital, les amis. On va se concentrer vraiment dans l'épisode, dans le jeu, pour changer un peu les idées. Mais pour le moment, voilà, je suis pas prêt à en parler. Mais quand je serai vraiment prêt, les amis, vous inquiétez pas, j'en parlerai. Puis pour me libérer, des choses comme ça. Et vous inquiétez pas, je vois quand même une psychiatre. Je vais demander de voir une psychiatre pour un peu en parler, parce que c'est vrai, garder pour nous. Ou sinon, je vais sûrement déménager. Bah, au moment, ça dépend quand vous verrez cette vidéo. Hein, si c'est au mois de juillet, je serai en train de préparer mes cartons. Août, ça sera pareil. Septembre, je serai en train de déménager. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai trop mauvais souvenirs ici. À l'endroit où je suis, bah, j'ai trop mauvais souvenirs. Du coup, je pense que je préfère de partir de cet endroit, parce que c'est pas comme ça que je vais réussir à remonter la pente. J'en ai un peu parlé avec mes grands-parents, hein, évidemment, et puis ils m'ont compris complètement. Il fait ok, pas de souci, on te comprend. On te comprend. Et du coup, il fait, si tu veux vraiment partir, bah voilà, tu partiras, il n'y a pas de souci, on va pas t'en vouloir ou quoi que ce soit. Du coup, ça c'est déjà un bon point. Et bon, après, j'attendais pas ça. Hein. Pour vous dire, ça a foutu un rechoc à tout le monde. Parce qu'on pensait pas du tout voilà, qu'elle nous abandonnerait comme ça. Bon, je vais essayer de pas pleurer les amis, hein, mais je vous promets pas. Après, je m'attendais pas à des gens qui disent voilà, qui se plaint, ou voilà, qui fait on est tout cœur avec toi, ok. Voilà, je veux pas quelqu'un qui veut. Voilà, je sais pas comment je peux vous dire ça. Mais voilà, je veux pas de compassion, voilà, des choses comme ça. Parce que. Parce que voilà quoi. Bref, en tout cas les amis, je dis tout dans ça, mais je vais essayer de pas en parler, mais c'est très compliqué pour moi. Et c'est pour ça que je vais changer un peu d'air et puis tout ça. Alors, bah, je vais essayer commenter bien l'épisode. Après, il faut vraiment que je continue
prendre un peu d'avance et puis tout ça, parce que sinon, sinon vous aurez pas de vidéo, vous avez plus rien et comme on dit, hein, la vie tourne. Faut reprendre la vie en main, c'est facile à dire mais dur à faire. Mais voilà. Du coup, je sais même pas ce qu'il faut faire, oui, chercher cassette audio. Je sais pas s'il faut j'aille par là. Oh. Alors par contre les amis, je vais vous parler un peu du jeu. On est quasiment vers la fin. Il ne reste pas grand chose à faire. Alors on approche vraiment petit à petit vers la fin du jeu. Ok, ici il n'y a plus rien. Ah oui, c'est vrai, il faut aller chercher le lecteur cassette pour le mettre ici. Et puis après, ça va ouvrir. On va chercher une carte et puis après, ça va s'ouvrir ici. Normalement, c'est ça. Par contre, je sais plus, il faut que j'y aille. Ah si, je crois que c'est un truc comme ça. On est voilà, sauvegarder la partie. Voilà. Hop. Alors c'est pas ici. Yes. Ah, c'est bon chemin, je crois. Là les amis, je crois qu'on est sur le bon chemin parce que si je me souviens bien un peu, ça me dit quelque chose à celle-là. Attendez, j'ai vu qu'il y avait un document, cartacé, ne doit pas être au vestiaire. La clé du vestiaire a disparu quelque part dans la cour. Du coup, ça veut dire qu'il faut que j'aille dans la cour. Ok. Bon, allez, on y va.
Ah bah tiens, nickel. La clé. On a trouvé la clé, les amis. On va refaire tout le chemin, on va retourner au vestiaire. Je pense qu'on va retrouver à Castec, les amis, et puis après on... Je pense qu'on s'arrêtera là où on verra quoi. Après c'est un épisode qui dure un peu plus longtemps que les autres, les amis. C'est pas grave, ça m'arrangerait un petit peu. Et puis comme ça on avancera un peu comme dans le scénario, hein, parce que le but c'est avancer. Hop. Nickel. T'es vivant toi ou pas? Alors, ça on en a plus besoin. Hop. Yes, la carte. Ah, ok, c'est bon. Il faut que je retourne. Vous savez, les amis, il faut que je retourne. Où il y avait la porte. Je sais plus c'est quel étage. Ah, les Hunters. C'est ça, les Hunters. Ils sont trop bien faits. Dégueulasse, mais bien fait. Par contre, ça faut faire vraiment gaffe. Sans 2-3 coups, on meurt. Voilà. Toc. Allez, on y va. Go. Normalement, il doit en avoir beaucoup. On va sauvegarder. Et normalement, on va mettre la carte, les amis. Si je me souviens bien, c'est comme ça. On va récupérer le lecteur CD ou lecteur pour parler, hein, le truc qu'on doit chercher. Et puis après ça, bah, ça sera bon. Voilà, nickel. Et le lecteur, il faut que j'aille ici dans la salle où il y a des hunters. Hop. Là, c'est une sortie. Et normalement, ici, nous allons voir. Ah, purée. Oh non, on a perdu. On a perdu. Je crois que c'est le premier game over, hein, si je me souviens. Mon premier ou deuxième, je sais plus. Ouais.
En tout cas, désolé les amis, hein, si je parle pas comme d'avant, si j'ai, je me rappelle plus le nombre de l'épisode, malheureusement. Ouais, je suis vraiment ailleurs en ce moment et j'espère que vous me comprendrez, les amis. Après, bah, pour ceux qui me comprennent pas, bah, je m'en fous un peu. Voilà, je vous dis sincèrement, je m'en fous complètement. Voilà. Hop. Combiné, toc. Ah, non. Vas-y, fuis. Hop. Voilà, c'est bon, j'ai fui. Normalement, là, il faut que je retourne. Je retourne. Ah oui, à la salle où il a le. Voilà, ça. Toc. Voilà, ici c'est pour chercher pas mal de choses. Hop. Combiné. Toc. Je sais même pas pourquoi j'étais en train de chercher un truc. Combiné. Toc. Voilà. Comme ça fait pas mal de place. Toc, je prends tout ça. Ok. Je regarde l'heure parce que faut pas que ça fasse non plus 40 minutes, après c'est pas grave, hein. Si ça dure 40 minutes, ça durera 40 minutes. Alors ici, je vais pas trop fouiller parce que en fait, on va revenir avec Jean Valentine. Hop. Toc. Excusez-moi, tout ce que je voulais savoir, c'est ce que ces documents faisaient dans votre bureau. Vous savez à qui vous parlez? Je suis Nathaniel Barthes, bon sang. Le meilleur biologiste que vous rencontrerez dans votre misérable carrière d'infirmière à deux balles. Bien sûr que j'ai des relations au clergé. Évidemment que l'armée me consulte à propos de projets qui vous dépassent complètement. Alors me faites pas perdre mon temps avec vos questions indiscrètes. Je vous demande pardon, docteur. Après, j'espère qu'il y a un pansement-garde. Si, après, où il y a Gilles Valentine, il y a un pansement-garde, les amis. Je pense que je m'arrêterai là. Après, je vais juste récupérer le bassin, après on fonce directement la Gilles. Et puis Gilles, je crois c'est après la porte là en plus. Et après on s'arrêtera là avant de mettre le bassin, ça sera dans le prochain épisode, tout simplement. Ceci où il y a beaucoup de cinématiques. Et je crois même avant de mettre le bassin, je crois qu'il y a un truc à faire. Je sais plus. Du coup, voilà. Il a été abattu. Merde. Et le vaccin? Je cherche. Ouais, ben trouve. Il doit y avoir un ordinateur, non? Alors. Ouais, là, pour vous dire, les amis, sincèrement, on est quasiment vers la fin du jeu. Je pense d'ici. Ouais, grand maximum 4 ou 5 épisodes, grand maxi. Peut-être moins, peut-être plus. On aura fini le jeu.
Du coup, c'est déjà un bon point. Comme ça, après, je pourrais enchaîner sur l'autre let's play en cours. Let's play qui va arriver sûrement très prochainement, d'ici 3 semaines à peu près, alors que je tourne la vidéo. Et puis voilà quoi. Ah, je me tais une cinématique. Ici le chef du verre, c'est Nathaniel Bard. 29 septembre, 23 h. Je suis parfaitement conscient que mon temps est compté. Et j'espère qu'en faisant cet enregistrement et en révélant la vérité au grand jour, je pourrai rétablir mon honneur, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Le cauchemar de Raccoon City a commencé avec la libération d'une arme biologique appelée Virus T. Mon employeur, Umbrella Corporation, a conçu ce virus. Et ils ont ordonné à mon équipe de développer un vaccin, ce qu'on a fait. Je garde des échantillons de ce vaccin ici dans mon bureau, et le reste est stocké sous terre. Mais tous ces enfoirés qui sont aux commandes, ils veulent le détruire. Ils ne veulent pas que le monde sache ce qu'ils ont fait. Donc ils essaient d'effacer toute trace de l'existence du virus. Mais je suis pas stupide. Je sais qu'ils veulent pas que... Bon, les amis, on va récupérer le vaccin et puis voilà quoi. Le voici. Hop, c'est bon. Allez, Jules, on y va, on retourne. Alors voilà, on a vu les révélations, les amis. C'est que voilà, Umbrella Corporation, comme on peut le connaître, hein, comme on le sait nous, bien avant. Voilà, c'est la grosse révélation qu'on a eu, c'est que en fait ils, voilà, c'est eux qui ont fait une NSI et puis tout ça. Hein. Ah purée, vas-y, cours. Yes. Et normalement il peut pas rentrer ici. On vient ici, toc. Et on va s'arrêter là, les amis, pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Oui, bon, je les ai pas tués parce que, effectivement, vous gardez beaucoup de balles tout à l'heure. Vous allez voir ça dans le prochain épisode. Il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à bombarder le pouce bleu, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et désolé hein, pour l'épisode un peu moins joyeux comme avant. Mais vous inquiétez pas, je vais revenir en forme. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous, les amis. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure. Comme d'habitude, mercredi prochain à 17 h. Et puis soyez vous-même, protégez votre famille, protégez tout ce que vous aimez. C'est vraiment très important parce que quand on les perd, et ben c'est très difficile à pas en profiter un peu plus. Voilà, tout simplement, ça sera mon dernier mot dans cette vidéo. Allez, salut tout le monde, bye bye.